Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur The Last of Us Remastered sur PS4. Et on est donc parti à la recherche d'Ellie qui nous a fait une petite fugue. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné le comportement de Joël qui cherche à s'en débarrasser. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule! Elle fait souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Bah, elle a dû t'entendre. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle voulait refourguer, enfin, Joël voulait refourguer Ellie à son frère Tommy. Et Ellie l'a très mal pris. Elle est pas passée par là. Ouais. Ça m'aide pas des masses. Tommy, une idée? C'est toi qui connais la région. Je te suis. Ah, il y a l'air d'avoir un chemin là sur la gauche. Des traces. Elle est dans ses bois. Ah oui. Bah, dégage. On se met dans le passage. Oh. Sois pas débile. Bon, et ben on va plus ou moins suivre les traces. Alors on va peut-être éviter le galop. Quoique. En théorie, il n'y a qu'un chemin. Non, attendez, ça y est, je perds déjà les traces. Ah, mais ça s'arrête là en fait. Super. C'est très pratique. Ah, mais ça reprend plus loin. Ok, j'ai rien dit. Là, d'autres traces. Ok, c'est bon. Okay, allez. Ah, j'en vois plus. Bon, on va dire que c'est la bonne route. Hein. Alors attendez. Je vois plus de traces. Non. Ah, quoique, attendez. S'il y a des traces. Parfait. Tu veux pas sauter? Combien t'en vois? Il y en a beaucoup trop. Oh punaise. Mais elle est pas passée par là. Ouais, je te couvre. Bouge-toi les fesses. Ouh, oui, oh. Ça tire déjà. Est-ce que je peux au moins voir comment ils sont avant de commencer? Ils sont pas que deux. Oh punaise. Ah putain. Allez, je prends feu, tout va bien. Putain, le jeu est un peu fort, j'espère que vous entendez pas l'écho. Allez, un coup de hache là. Ça le calme le bonhomme, hop. Alors je vais baisser un peu le son sur la télé. Je voudrais pas qu'il y ait un écho dans le micro. Ce serait un peu con. Allez, hop. Putain, j'ai déjà perdu deux fragments de vie. Tiens, tu l'as eu? Putain, mais d'où? Oh, je le vois même pas arriver, les cocktails Molotov. Putain, j'ai quasiment perdu toute ma vie déjà là. Putain, le mode dur c'est une horreur pour moi. Tiens, je crois que je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai pas tué. Parce que quand il meurt, il me semble que le marqueur est différent. Ah, je l'entends plus sur la gauche. Il est peut-être mort, je sais pas. On va essayer d'avancer un peu. Vu que je suis pas doué au tir. Oh putain. Il a rien vu. Oula. Le décor disparaît. En haut. Tout va bien. Alors est-ce qu'on peut essayer de la voir plus ou moins discrètement? Putain, je vois pas ta tête. Bouge pas. Bouge pas. Il me laisse pas ajuster mon tir. Putain de pyromane. T'es où? Putain, il s'est barré ou il fait le discret là? Ouh. Non, il est là. Espèce de trou du cul. Tiens, coup de hache dans le bide. Hop, au moins la hache, c'est ultra efficace. Alors je pense que... on va pas en trouver des masses. Hein. Oh, non, attends, c'est qui? C'est Tommy? Non, c'est pas Tommy. Putain, ils sont encore au moins deux. Mais j'ai l'impression
qu'ils ne savent pas où on est. On dirait qu'ils sont en train de tourner. Ouh, de la vie. Merci. Hey ! D'accord. Le mec ne pouvait plus avancer, tout va bien. Le deuxième, il est où ? Voilà, lui, il s'est fait. Donc en théorie, il en reste un. Ou deux. Putain. J'ai pas mon pompe d'équiper. Attends, reste tranquille. Oh putain, il arrive. Attendez, il est comment le mec là? Putain, il est pas mort là. Ah si, il est mort. Ok, j'ai plus que deux cartouches. C'est super. D'où il sortait ce mec là, sérieux? Bon, bref. Il en reste un, mais j'ai peur de me faire toucher. Putain, dans le bras, mais sérieux. Il est mort? Non, je crois pas vu qu'il reste à couvert. Ah, quoique. Tommy? Il y a encore des gens ou pas? Bon, on va essayer d'avancer un petit peu, voir si ça tire encore. Oui, des balles. Hop. Ça. 4. Hop, on va commencer par le recharger. On le remet à 3. On va reprendre El Diablo. Tac. Ah, oh, j'ai qu'une munition, quoi, dans le chargeur. C'est naze. Ah, attendez. Ah, il y a encore un mec là-bas. Il est derrière le rocher? Bon, apparemment il tourne. Il ne doit pas savoir où... Ouh, putain, non, attendez. Je l'ai vu. Là, je suis trop à découvert si j'essaye de le shooter. Allez. Il y a moyen de l'avoir. Putain, il a un casque, hein, bien sûr. Bon, on va essayer de le tuer à la hache, peut-être. Ça me paraît possible. Hop, pendant ce temps-là, la moitié des gars n'ont pas de munitions. C'est toujours aussi logique. On va se le faire au corps à corps. Allez, vas-y. Tu viens ou tu tournes comme tout à l'heure? Tiens! Voilà, au moins la hache, c'est efficace. N'est-ce pas? C'était le dernier. Ok, bon, j'ai pas trop galéré. J'ai morflé un petit peu. Mais je suis pas mort, c'est déjà ça. Alors par contre, j'aimerais bien récupérer un max de matos. Putain, mais c'est toujours pareil, ils sont tous armés. Lui, il a plus de tête. Il a perdu la moitié de sa tête. Tout va bien. Mais comment elle a fait pour passer Ellie? C'est n'importe quoi. Ah, il y avait moyen de se mettre à couvert là-dedans aussi. Bon. Ouh, une flèche. Non, j'ai dit une flèche. Chiffon... Ah, pour l'instant, je peux rien me faire du tout. Éventuellement des fumigènes. Voilà, j'ai pas encore... Ah, à chaque fois, hein, les fumigènes, j'ai tendance à les oublier. Contre les humains, c'est assez efficace. L'autre, il avait pas un cocktail Molotov sur lui, là? Non, allez. Rien sur le barbecue, il y avait une boîte de conserve, c'est tout. Je refais le tour des cadavres. Bien, on file aux chevaux. Oui. D'accord. Pourquoi les chevaux viennent tout seuls pile poil à ce moment-là? Je ne sais pas. Ouh. D'accord. Ça fait un peu bizarre l'effet. Pourquoi il y a une tache de sang là? Bon, bref. Hop, on est reparti. Je suis un peu déçu, on n'a pas trouvé grand-chose. Il n'y avait rien là-bas dans le coin. On dirait que non. Allez. On va continuer de chercher Ellie. Mais je comprends pas comment elle a pu passer ça. Bref. Ah, ils ont pas remis la musique. Les traces continuent par là. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. Remettez la musique. Bon. Si, ça revient.
fait style un peu western, non? Western cowboy. N'empêche, c'est très joli. Alors quand on regarde dans le détail, c'est pas très très joli de proche, mais quand même l'ambiance générale, quoi, c'est vachement bien foutu. Pardon, je regarde les arbres, je regarde pas la route. Ah tiens, on arrive au ranch. L3. Ok. La voie a l'air libre. Bon, on va attacher le cheval. Non, triangle. Attends, il les attache pas? Bon, pourquoi pas. Attendez, je vais aller jeter un coup d'œil dans l'espèce de ferme à côté. Il peut pas sauter ça, ils sont sérieux? Ou alors c'est qu'on n'est pas censé y aller. Oh, bon. Dommage, une espèce de ferme là, un peu à l'abandon, il y avait peut-être des trucs dedans. Bon, on est obligé d'aller dans la maison. Alors, si mes souvenirs sont bons, allez. Au premier. C'est pas vrai. Ah bah elle vient de répondre. Je l'ai pas entendu, mais elle a répondu. Putain, je les entends pas parler. Hein. Ouh, un pendentif. Donc c'était le pendentif de Brent Pinot. On dirait que la maison n'a... Enfin, le ranch n'a pas été trop dépouillé. Il n'y a pas grand chose non plus à récupérer. Là, il n'y a pas de l'alcool? Sérieux? Pour te faire des cocktails Molotov? Puis c'est quoi? Elle me paraît un peu petite cette table. Bon. Encore les mêmes tableaux, hein. Quand on regarde le détail, hein. On en avait croisé déjà deux. Au moins deux. Donc il recycle pas mal. Ouh, de la santé. Merci. Je suis en train de récupérer, j'aurai pas besoin de kit médical pour le moment. Il faut de l'alcool. Ouh. Attends, mais j'ai même atteint le nombre maximum, je crois. Parce que j'en avais combien? 4. J'en ai retrouvé 4, ça fait 7. Donc le nombre maximum de munitions doit être limité à 7. Ou alors je sais pas compter. Bref, non, c'est pas des conserves. Ok, bon, allez, on va monter. Oui, donc par ici. Ellie. Non, mauvaise pioche. Tiens, une BD. Dès qu'elle aime bien lire. Point zéro. Alors un PC, ok. Dans la salle de bain, rien. Et Ellie, toujours pas ici, d'accord. Où es-tu, Ellie? Elle doit être dans la salle du fond qui est fermée, je suppose. Ouh, des ciseaux, des liens. Mais donnez-moi de l'alcool! Non, on peut pas ouvrir les tiroirs, ok. Ok. Non mais je pense qu'en ouais, en difficile, il y a beaucoup moins d'objets qu'en normal, hein. C'est pas possible. Alors attendez, il y a plusieurs salles là. Ok, c'est pas ici. On va essayer là-bas, je pense que c'était une salle... qu'on ouvre avec un surin. Ah non, même pas. J'ai rien dit. Ok. Alors pourquoi il y a une douche et une baignoire dans la même pièce? Ah, de l'alcool. Putain, un quart d'alcool. Ils sont sérieux. Putain. Ils abusent. On peut rien faire avec ça. Bon allez, Ellie. Me voilà. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films,
Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah. Et Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf. Sauf toi, merde! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Et préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Bon, et bien sûr, le téléphone a sonné. Pendant la cinématique, super, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Mais ça m'a coupé, purée, Ellie, j'ai pas compris ce que t'as dit à la fin. Bon, c'est pas grave. Ah, fait cailler, faudrait que je pense à mettre systématiquement en silencieux. Oui, alors il en a deux en approche. Bon, apparemment, ils cherchent, ils savent pas où on est. Lui, on dirait qu'il est armé d'une machette. Oh putain, il arrive. Allez. Pointe-toi. Hop, salut. Alors, est-ce que le deuxième a capté ? Oui. Vas-y, viens, j'ai une hache pour toi. Viens. Mais non, pourquoi il tire, là ? Et l'autre, il réagit pas, d'accord. Si. Ah ! Ah! 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 Machette contre hache. C'est la hache qui gagne. Alors, je pense que la machette one shot également. Attendez, j'ai trouvé des munitions. Hop, on va recharger le flingue vite fait. Pour l'instant, on va ranger le Diablo. Hop, on repart avec le shorty. Alors, Ellie. Est-ce que tu les entends ? Putain, tous les coups, on va tomber nez à nez avec un mec. Fais chier. Ah, maintenant, c'est le portable qui sonne. Oh là là. Bon, on peut reprendre. C'était ma maman. Ouais. Alors, attendez. On était en train de faire le ménage. Et l'autre, il marche tranquille. Oula, eh oh! Il tire des fumigènes lui aussi maintenant? Ouais, et comme par hasard, ils sortent tous d'un coup. On les captait pas juste avant. Oh putain, pardon, chut. Machette! Nya nya nya! Oh putain! Il va m'avoir le trou du cul. Non! Mais non, calmez-vous, je suis mort. Non, pas encore. Viens ici. Je suis mort! Toujours un petit spasme en mourant. Je sais pas si c'est normal. Bon. De toute façon, j'étais plus dans l'action. Là, allez, on est reparti. Oh putain. Ça reprend depuis le début. Non, il m'a pas vu. Ah là. Je pensais que ça rejoignait en face. Merde. Alors attendez. Comment il se déplace lui ? Mais non, mais il va revenir tout de suite. Merde. Ah, j'aurais mieux fait de faire comme tout à l'heure.
Vas-y, viens, dépêche-toi avant que ton pote se ramène. Calme-toi, mec. Étranglé, allez. L'autre n'a rien capté, apparemment. Oh putain. Non, 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 t'as rien vu. Garde ta machette. Non, non, non. Allez, hache contre machette. Viens ici. Voilà. Hop. On ramasse. T'as pas de munitions? Tout à l'heure, il y avait des munitions. Non. Non, j'ai perdu des balles. Oh putain. Fiche, cahier. Bon. On ressort le shorty. Et on va faire gaffe aux pompes cette fois. Attends, il est en train de monter là? Ou il est derrière le mur? Je me rends pas compte. Bon, vous savez quoi? Hop. On va utiliser un petit peu. Ah, il est un peu loin là, je suis pas sûr qu'il s'active. Ah si. Oula, le mec a complètement explosé. Homme à terre, oui, je confirme. Un autre. Oh, mais ils explosent, c'est dégueulasse. Par contre, les effets de sang sur le mur sont assez bien gérés, je trouve. J'ai pas souvenir que ce soit aussi bien géré sur PS3. Ou alors j'avais pas fait attention. Alors il en reste au moins un. Merde, je vois un halo blanc, mais je vois pas où il est le mec. Bon. Est-ce que le mec au fusil à pompe est mort? Oh putain. Tiens, machette. Machette. Dans la gorge. Bon, au moins il nous a pas fait chier lui. Putain, mais il a un fusil à pompe, donne-nous des munitions. Putain, c'est pas vrai ça. Bon, est-ce que c'est fini? Je me rappelle plus. Y'a plus personne. Ah, apparemment c'est bon. Ouais. Ok, c'était... Ouais, c'était que 6. 6. Oui, si. C'est bon. Tu veux de l'aide? C'est bon. Vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descend ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Alors on donne le ballon à l'équipe adverse? C'est ça, c'est un turnover.
Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Hey, règles de quoi ? Football américain ? Descendre du cheval, non, pas pour le moment. À moins qu'il y ait des choses à récupérer. Là-dedans, par exemple, je vois rien. Alors, une espèce de bâtiment avec un truc qui ressemble à un miroir géant. Alors, le lance-flamme, on peut le récupérer là, je crois. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Alors, on va faire un petit tour quand même. Quoique, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à récupérer. Hein. À moins qu'il y ait une BD ou un pendentif. Non. Non, il n'y a rien du tout. Ouh, si, si, si. Oulala, oulala. Des pilules. Ouais, sous forme de plantes. Puis franchement, c'est pas un nom, quoi, du rayon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Du rayon, ouais. Je sais pas où aller chercher ça. Alors, on a trouvé des pilules et c'est tout. On va regarder par là. On sait jamais. Non, bon, je crois que c'est mort. Allez, on avance. Ouais, je vois plus rien. Go. Go, go, go. Ah, il dit rien. D'habitude, quand il siffle, il fait un petit commentaire, Joël. Alors, si je me souviens bien, le lance-flamme va être par là. Je crois bien que c'est ça. Puis, ouais, on voit un établi, il y a une lumière d'allumé. Je reste avec du... Ouais, donc tu restes là, ok. Ouais, t'es pas le seul, hein, Durion. C'est ridicule. Alors, j'ai vu un truc briller en rouage. Ouh. Je vais essayer de m'en servir un petit peu. Alors ce qu'il y a, c'est que ça prend de la place. Hein. Qu'est-ce que je mets dans l'autre ? L'arc. Dans mes souvenirs, l'arc était beaucoup plus performant. Mais alors c'est peut-être parce qu'on est en difficile, justement. Mais les ennemis mouraient plus vite et on pouvait récupérer quasiment à chaque fois les flèches. Là, ce n'est pas le cas du tout. Du coup, je trouve l'arc pas terrible. Ou alors c'est mes souvenirs qui sont erronés. Je ne sais pas. Alors attendez, on fait le tour du dépôt d'abord. Hop, voilà, il y a encore des rouages. On verra après ce qu'on peut faire. Sur l'établi. Ouh, ça brille encore. Les pilules. Je suis à combien en pilules ? 20. Je peux rien faire. Super. Ouh, attendez, ça monte là-haut. Attendez, ils ont mis des zones dans les bâtiments visitables, ok. Bon, on va aller regarder au niveau de l'établi déjà. On se met au travail. Alors, 196. Ah, j'ai toujours pas trouvé de caisse à outils. Hein. Vitesse de rechargement. Je pense que c'est plutôt indispensable avec le lance-flamme. Parce que c'est très très long, il doit dévisser la bonbonne de gaz. Ouais, ça coûte pas grand chose, on l'améliore au moins une fois. De toute façon, on peut pas l'améliorer plus. L'arc, non. Le shorty. Cadence de tir. Ouais, ça peut servir. Bon, c'est la capacité. Et purée, il me faut une caisse à outils là. Ça ira. Caisse à outils. Je suis pas passé à côté là. Je suis quasiment sûr qu'il y en a une. On est dans une espèce de dépôt mécanique. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une caisse à outils quelque part. Pourtant, j'ai rien vu briller. Mince, hein. Je commence à croire que j'en ai loupé. Bon, on va aller voir en haut. On laisse Ellie toute seule, tout va bien. Attendez, mais... Oh, putain.
là on retourne dehors. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont fait un truc aussi grand? C'est nul, y a rien. J'ai bien compris. Les gens habitaient ici et étudiaient, alors que c'était des adultes. Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Bah oui. Le monde a bien changé. À l'étage. Je veux une salle verrouillée au surin pour avoir des munitions. Ouh, une espèce de... C'était un poste de surveillance. Ouais, poste de surveillance. Tiens, il y a même une petite note. Ah, c'était un sniper. Oh bon, il fait un compte-rendu de je sais pas quoi. Sûrement de ce qu'il observe. Donc je vous fais défiler un petit peu. Si vous voulez lire, faudra mettre en pause. Putain, c'est long. Hop. Et bien sûr, il n'y a plus de munitions, plus d'armes. C'est super. Bon. Attends, ça monte encore, non? C'est verrouillé là, oui. Ok, bon, bah, on va redescendre. Je pense qu'on a fait le tour, on va aller retrouver Ellie. Je crois que c'est encore plus bas. Je m'attendais à trouver un peu plus d'objets quand même. Bon, bon, on est reparti. Hein. Continuons la visite. Alors en face, ça a l'air complètement fermé. Alors après, je me souviens pas s'il y a d'autres zones... Est-ce que le cheval va pouvoir sauter ça? Oui, au galop. Allez, c'est parti. C'était cool. D'accord, bah ça lui fait plaisir, c'est bien. Elle apprécie les balades à cheval. Là, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas des animaux quelque part? Alors, c'est pas tout de suite? Je me rappelle plus. Non, il y a juste des feuilles mortes. Ah ouais, je crois qu'il y a un truc ici. Bizarrement, je me rappelle un petit peu de cette zone, plus que certaines. Mais je confonds peut-être, parce qu'en fait, je vois rien du tout. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose. Ah, où c'est là? Je reste là. Non, attends, je me rappelle pas de ça, c'est pas possible. Il n'y avait pas des pilules ou quelque chose? Bah mince, alors. Ou alors j'ai des... Des faux souvenirs, je sais pas. Bon, on va dire que je confonds. Allez, va-t'en. C'est pas grave. En route. À moins que, ouais, il y ait d'autres zones qui ressemblent un petit peu. Non, mais c'est fou. Hein. Je sais pas. Allez. À quoi je pensais. Là, c'est fermé. L3. Là-bas, c'est ça? Ah bah là on voit rien. C'est vrai qu'on dirait un miroir géant. Un miroir géant. Mouais. Bof bof hein. Allez. En théorie on est obligé de... Ah non, on peut aller là... Ah non. D'accord. Pendant un moment j'ai cru qu'il n'y avait pas de grillage là. Mais du coup on est obligé de rentrer dans le bâtiment. On peut y aller à cheval, oui. Tu crois qu'ils sont très nombreux? Je parle des lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis pas sûr. Hey, je crois qu'on va devoir se séparer, non, Ellie? Est-ce qu'on peut ouvrir ce truc? Pousse-toi, merci. Wow. On dirait des coureurs. Reste avec le cheval. T'es sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Ok, donc là on se retrouve tout seul. Ellie ne peut pas nous filer un coup de main. Oh là là. Putain, 7, 6, 3. Ou alors je les attire tous et j'y vais au lance-flamme. Quoique c'est des coureurs, on peut les choper discrètement. Attendez, on peut aller par là?
Ah bah non. Ah quoique si, on peut aller par là. Bizarrement, il y a rien du tout. En coureur, je veux dire. Bah, pourquoi ils sont tous là-bas? Ah, c'est peut-être fait exprès pour les sniper, je ne sais pas. Ah, ça rejoint, il y a un couloir, ok. On y va comment? À 40, ouais, ça n'a pas l'air énorme, j'ai que 2 flammes sur 5. Shorty, ou. Ouais, bah Shorty, écoute. Hein. On va essayer d'en choper au corps à corps discrètement. Et après, on dégainera le Shorty. Alors, les coureurs nous voient. Hein. Bien sûr, l'autre vient direct là où je suis. Ta bouche. J'ai dit ta bouche. Oh putain. Bouge ton cul. Cours. C'est pas le moment de se tromper de bouton. Si je peux en avoir plusieurs en même temps, ça pourrait être assez cool. Ah, j'en ai pas tué un seul. J'en ai touché 3, mais tué 0. J'espère qu'il y en a pas un qui est en train de faire le tour dans le dos. Putain, mais comment il court, c'est bizarre. Il me fonce pas dessus, il s'arrête. Ouh, efficace, hein. Bon, j'ai quand même gaspillé 3 balles. Mais je suis assez content, je me suis pas fait toucher. On va recharger le lance-flamme. Ça doit être 100 le maximum, je suppose. Et on va ranger le shorty. Pff, tu parles avec 2 balles de revolver, je vais pas aller bien loin. Quoique, il y avait quelque chose là. Ah bah tiens. 2 balles de plus. Attends, il a un truc planté. Ah oui, bah c'est la machette. Oui, bah a priori, il a tué tout le monde, hein, vu qu'il a fait un petit commentaire. Au moins, on n'a pas galéré de ce côté. Alors, avant de sortir, on va plutôt regarder ce qu'il y a dans la pièce. Alors, il y a un groupe électrogène. Oh, j'ai peur que ça attire du monde, ça. On va faire un petit tour d'abord. Ah, mais je crois qu'il n'y a rien du tout. Ils sont sérieux? Il n'y a rien à ramasser, quoi. Et là, là. Terrain de foot. Le bâtiment en question, ok. Bon, bah, on retourne à l'intérieur. On va activer le groupe électrogène. En espérant que ça attire pas du monde. Allez, triangle. Tac. Et tac. Est-ce qu'il y a du monde qui se pointe? Oh, j'ai vu un truc. Non, c'est Ellie. C'est bon. Tout va bien. Alors du coup, ça servait à quoi? C'est pour ouvrir une porte, peut-être? Je me rappelle plus. Ouais, là, y a rien. Je me disais... J'aurais voulu être astronaute. Sérieusement? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul, là-haut? Ça aurait été cool. C'est tout. Ouais, c'est pas trop mon truc. Ça m'attire pas des masses. Bon. Y a rien d'autre à ramasser. Déception. Alors comment on passe là? Ouh, il y a une note, attendez. Et toi, tu voulais faire quoi? Bon, tant pis pour la note. Hein. Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Allez. Ah, ça aurait été rigolo. Bon, de ce côté, je ne vois rien qui brille au sol. Ok, allez. Tac, on va aller voir par là. On dirait qu'il n'y a rien. Attends. Je sais pas s'il y a une porte accessible. Ça là, par exemple. D'accord, c'est complètement verrouillé. Ok, je perds mon temps. Il n'y a pas une seule porte accessible? Non. Bon. Je pensais qu'il allait y avoir au moins une zone avec un surin, là. Enfin, une porte à surin.
Super, bon. Désolé pour la perte de temps, on est reparti. Attends. Allez, demi-tour. On y go. Attendez avant de sauter. Non, je ne vois rien. Allez. Allez! Oh, c'est des singes! Ouais, et il y en a un paquet. Ah, donc il y avait bien des animaux. C'est bien ça. Alors attendez, le bâtiment, il est où? Il est là-bas. Hey, les macaques! Venez là, les macaques. Putain, ils sont gros! C'est pas des petits ouistiti, ça? Première fois que tu vois un singe? Ouais, c'est la première fois. Ouais, mais alors du coup, il n'y a rien à faire de ce côté. Bon. C'était juste pour regarder les singes se barrer. On va quand même faire un petit tour, mais je ne vois rien. Allez. Alors la statue au milieu, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Oh, il saute pas le cheval. Bon. Non, ça doit être le fondateur ou quelque chose comme ça. Allez. Bref. Bref, faut aller par où? Par là-bas. J'avais l'impression qu'il y avait une porte ouverte là-bas. Ou du moins un porche. Ah si, il y a une zone. Peut-être que ces types préfèrent se faire discret. Ouais, peut-être. Quoi qu'en fait, c'est peut-être le chemin, d'accord. Je crois que c'était de l'autre côté, mais c'est pas grave. Alors, je me rappelle pas si on croise des humains. Ah si, bah si, si, si. Alors, peut-être pas tout de suite. Je sais plus. Hey, regarde, les lucioles. Quoi? Ah. Commentaire. Ah, mais non, mais... Je voulais triangle sur le truc. Pas triangle, descendre du cheval. Bon. Allez, Oust. C'est ça le dialogue? D'accord. Il y a un truc décrit sur le mur. Allez, on va essayer la porte. Disconnect générateur when not on duty. Donc faut le débrancher quand il est hors service, quoi. C'est ici. Quoi, c'est ici? Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Oui, bon. Y a rien à faire, mais si. Bah, il y a le logo, mais il n'y a pas le triangle. Ah, si. Il y a un autre générateur. Bon, c'est à moi de me bouger les fesses encore. Attends, apparemment, il y avait encore quelque chose. Eh, hey, mais allez! Oh, faut être placé au bon millimètre. On dirait qu'ils ont bricolé ça aussi. Bon, toi, tu restes ici et... Tu surveilles le cheval. Surveille-le, toi, le cheval. Désolée, je suis un peu nerveuse. Ouais, calme-toi, la ptiote. Ah, on peut passer par là. J'avais l'impression que ça partait de ce côté. Bon, tant pis. On va pas remonter sur le cheval. Allez, Oust. Ellie, je fais un petit tour. Bouge pas. Je vais juste aller voir ce qu'il y a par là. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Ah non, c'est qu'il y a deux chemins. Ok. Ok, ok. Bon, bon, bon. On retourne là-bas. Où il y a encore le symbole des lucioles. Bon, hop. On n'a rien trouvé d'intéressant. On avance. Dortoir. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Pour l'instant, on dirait que non, on a juste vu Ellie. Pilule. Une note, carte du campus. D'accord. Ok. J'ai rien compris à ce qu'il y avait de marqué sur la carte, mais c'est pas grave. Ah, ouais, j'ai des souvenirs qui me reviennent encore. Je crois qu'il y a une zone un peu chaude. Avec pas mal d'infectés. Je sais plus si c'est là. Pour l'instant, il n'y a personne. Bon, on continue. Une salle.
Putain, j'ai toujours peur d'avoir une mauvaise surprise quelque part. Deux écrans de PC. Tout à fait. Une chaîne IFI. Dans les chiottes. Du PQ. Pourquoi il y a autant de rouleaux de PQ? Hop, je prends le temps d'explorer un petit peu. Ouh, des pilules. Je suis à combien? 35. Temps de confection? Non. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va plutôt économiser. Tiens, encore une note. Journal d'un étudiant. Alors. Bon, si vous voulez lire, faudra mettre en pause encore une fois. On descend un petit peu. Et voilà. Je me demande combien de temps ils ont tenu. Je sais pas de quoi ils parlent. J'ai pas lu. Alors, il y avait rien entre les deux portes. On va dire que non. Non, mais c'est trop calme, là. C'est bizarre. Y'a rien? D'accord. Pourquoi tu t'es baissé, toi? Y'a personne encore. Un rouage. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Des canettes? Des canettes écrasées, un peu rouillées? Merde, des sports. Des sports? On les voit même pas, les sports. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ça doit être juste après. Oh là là. Ouais, bah ça va être là. La zone un peu chaude en question. Allez, des claqueurs, ça faisait longtemps. Oh! Oui, je confirme. C'est bien là, la zone tendue. Alors je crois que j'étais passé de manière un peu bourrine jusqu'à la porte. Alors normalement ils nous entendent juste. Donc il y a moyen de passer sans se faire griller. Alors j'ai une bouteille pour faire diversion au cas où. Qu'est-ce que c'est que ça? Un baby-foot. Putain, j'ai bien envie de jeter une bouteille, mais j'ai peur que ça n'attire pas tout le monde. Oh, bien sûr, c'est barricadé, on peut pas faire le tour. Il est... Attends, il est de quel côté? Non, il est de ce côté. Oh, bordel. Non, il y en a qui arrivent, là. Cassez-vous. C'est bon, mais écoutez. Mais alors, attendez. Bon. Cassez-vous tous. Ah, ils sont un peu proches, hein. Oh putain de merde. Non. Non, ils sont trop proches et je marche trop vite. Quoique j'ai le bouton sur R1, peut-être que ça permet de marcher. Non, j'entends du bruit. Fuck off! Putain, il vient! Oh putain. Est-ce que je peux sauter par-dessus? J'espère que oui, sinon je suis dans la merde. Bah, je suis dans la merde. Ah si, je peux sauter. Oh putain. Oui, c'est ça la zone chaude avec le gros. Je m'en rappelle très bien. Alors, je crois que j'étais passé un peu n'importe comment. Oh, mais putain. Attends, et ça vous suit? Non, eh oh, c'est pas normal, là. Calmez-vous, hein. Et bien sûr, il y en a qui... Ouais, ils reviennent en arrière, comme par hasard. Et par contre, il y a le gros qui arrive. Si, il a capté. J'avais peur qu'il réagisse pas. Putain, j'ai plus de bouteilles. Et ils sont tous en train de revenir où il faut pas. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, le gros qui revient, bordel. Je sais pas s'il voit le gros. Je crois pas. Hein. C'est un stade avancé de claqueur. Mais je crois que j'avais tracé. Hein. Oh putain. Ah, parce que lui, dès qu'il nous chope, y a pas moyen de se défendre au surin. Il nous flingue direct. Hop, on a rechopé une bouteille. Non, et ouais, d'accord, il se téléporte. Non, là, ça va tout de suite. Oh non, ça va pas tout de suite, putain. Mais cassez-vous! Chut.
Du coup, je me tais de peur de faire du bruit. Oh putain. Là, on bouge pas, il devrait pas nous capter. Hein. S'il nous capte, je demande à être remboursé. Voilà, parfait. Ah, il y a peut-être une ouverture là. Ou pas, j'en sais rien. Merde, merde, merde. Non, j'entends du bruit derrière. Putain, il est juste derrière, je crois. Oh putain, on va se mettre dans le coin là-bas. Allez. On dirait que ça passe. Putain. Putain, bien sûr, le gros, je crois, qui se met là où faut aller, hein, comme par hasard. Putain. Cassez-vous. Putain, les deux, ils sont au niveau des... du chemin. Ah non, là, ça s'est dégagé, mais il y a l'autre qui arrive, bien sûr. Vas-y, dégage. Dégage. Viens pas. Oh putain. Sale enfoiré. Oh putain, il y a ses potes qui se pointent. Je suis en train de bosser tous mes surins. Casse-toi. Oh putain, allez. Fais chier. Alors, est-ce que je tente la manière bourrine? Une fois, à voir si ça passe. Je sais que ça passera pas. Bon, bourrine, mais... pas dans le sens on défonce tout le monde. Dans le sens pas discret. Attendez, là je marche normalement, il me capte pas. Putain, mais c'est pas vrai. C'est à la fin du couloir central, hein, je le sais. Dégage toi. Dégage. Dégage. Nya. Putain de merde. Sa famille se pointe. Allez, on va essayer de tracer. Pousse-toi, mais putain. Mais bouscule-le au moins, là. Oh, bordel de merde. Je suis mort, putain. Alors, je sais plus comment j'avais passé ça. Mais ils sont 5. Dès que j'en sais un truc, je suis grillé direct. Allez, on trace. Putain, on trace mon cul, ouais, putain. Faites chier, sérieux. Puis ils en ont mis bien un partout. Comme ça, tu peux passer nulle part. Attends, mais là, tu fais de l'escalade, ok. Allez, salut. Dégage. Non, le gros, je peux pas me protéger. Ah, bordel. Bon, au moins, on voit pas ma tête qui se fait déchiqueter. Non, mais... putain. Comment je peux passer ça? Je suis bien obligé de faire diversion petit à petit, j'ai pas... C'est la seule approche. Ou alors il y a le lance-flamme. J'en sais rien du tout. On va tenter autre chose. Oh putain, juste là bien sûr, au niveau... Oh mais cassez-vous! Sors le lance-flamme. Oh putain, mais cassez-vous! Putain, non, ils sont trop proches! Et ouais. Alors, j'ai pas compris, j'ai lancé une bouteille dans la première pièce où j'étais. Et il y en avait deux au moment où je passe par la fenêtre. C'est ridicule. Tiens, vous m'avez saoulé. Salut. Bon, ça a l'air assez efficace quand même. Alors, peut-être pas contre le gros, mais déjà au moins. Oh putain. Nya! Casse-toi! C'est pas le moment de se coincer dans les portes. Ah, attendez. Je tiens peut-être le bon bout là, allez. On dégage. Merde! On dégage où? Ah non, l'arnaque! Je suis pas allé assez loin? Putain, il y a une petite tire, non mais. Mais sur quoi il tire l'autre? Il me voit pas, il balance ses trucs. Merde, je pensais que j'étais arrivé. Oh non, il revient. Oh putain. Vas-y, ramasse ça et dégage. Dégage. Bon, ils sont que deux là. Il y a un gros et un petit. Au pire, faut que j'arrive à tuer le petit. Allez, le gros est de ce côté. Ouais, mais il va revenir au milieu, je le sens.
Attendez, mais c'est où qu'il faut aller exactement? Moi je suis revenu là. Ah, fallait aller la porte d'après, ok. Merde. Oh putain. Brouille ton cul. Oh putain, il arrive. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bon, ça va. Oh. Ouais, t'es coincé. Bon. Ça, c'est fait. Bon, j'ai un petit peu galéré. Mais finalement, la full infiltration, ça marche pas tous les coups. Hein. Hop. Bon, tu peux enlever le masque, là. Ouais. Alors, attendez, c'est... Ouais. De quel côté? Faut retourner dans la cour, de toute façon. Ici, c'est les chambres. Il y a éventuellement des choses à récupérer. Oui, des pilules 10. Est-ce que j'ai assez... Vitesse de soin. Ah, ouais, pour l'instant on garde. Ensuite. Ensuite. Oh, un petit nounours. Hop, dans le tiroir. Ok. Ouh, il y a pas mal de choses là. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Attendez. Si, c'est bon, c'est par là. Encore désinfecté, je vais bien. Viens ouvrir la porte. Attends, mais t'es de quel côté là, Ellie? T'es là, ok, je te voyais pas. J'arrive. Alors attendez, il montrait le câble. Pourquoi il montrait le câble? Ah, faut lui repasser peut-être. Qu'elle le rebranche, non? Non, j'en sais rien, bon allez, on va essayer d'activer ce truc. Ah, attendez, ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Faut rapprocher. Vas-y, ouvre la porte. Ouais, un instant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, c'est pas bien compliqué. Putain, mais à chaque fois que j'active un truc comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des infectés qui vont se pointer. Bien, essayons la porte. T'as réussi ! Ouais, allez, passe. Quoique, il y a le cheval. Je crois que quand il y a le cheval, il n'y a pas d'infecté. Hein. Allez. C'est placard. C'était des lucioles, tu crois? Non. Non, je crois pas. Pourquoi bon. Il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Je peux en placer une, oui. Donc j'allais dire, bon, j'ai pas fini la zone. Mais ça fait une heure que je joue. Donc bon, avec la petite coupure que je vais mettre, ça va peut-être faire 55 minutes. Enfin bref. Donc je m'arrête là, donc je vous dis ben merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !